Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation. On vous retrouve aujourd'hui sur un endroit qui est juste exceptionnel, dans un environnement très recherché. On est à peine 15 minutes de l'hypercentre de Tours et 3 minutes de la rocade entre Vénier et Chambrey-les-Tours. Et on va vous présenter aujourd'hui une propriété qui fait environ 300 m² de surface habitable avec une extension juste derrière moi de 2017. Vous profitez d'un parc de 4300 m² entièrement boisé et arboré et piscine de 12 par 5 chauffée et filtrée au sel, une terrasse d'environ 200 m² avec, regardez ça derrière moi, de quoi profiter des beaux jours comme aujourd'hui, un triple garage, un sous-sol complet et on va aller voir le reste de la maison tout de suite. On se retrouve ici du coup donc dans la première pièce principale de cette habitation. On est sur une salle à manger qui fait un petit peu plus de 55 m² de surface habitable. C'est tout simplement exceptionnel, hein. Vous avez de quoi profiter en famille, recevoir du monde. Et surtout, ce qui est très important ici, c'est qu'en fait, on a des grandes ouvertures et galandages sur toute l'habitation qui nous permettent de profiter directement et pleinement de l'extérieur. Vous n'avez aucune limite entre l'intérieur et votre environnement plus qu'agréable et calme. Vous noterez qu'ici, sur cette terrasse abritée, il y a déjà beaucoup de place, ça c'est très important. Et surtout, on est sur un plafond qui est isolé, du coup il fait très frais. Je peux vous dire que dehors il fait presque 30 degrés, mais ici je les sens pas du tout. On se retrouve ici sur la partie cuisine, donc juste après notre salle à manger. Je ne sais pas ce que vous recherchez, mais si vous aimez les cuisines ouvertes, convivial, c'est vraiment l'idéal. Il y a de quoi recevoir des convives, manger ici à table pendant que vous cuisinez. Pour ce qui est des équipements de cette cuisine, c'est une cuisine qui est super bien pensée, aménagée et équipée. Il y a énormément de rangements, une hotte ici aspirante. Beaucoup de rangements comme je le disais. Tout est intégré, tout est caché, il n'y a rien qui dépasse, pas de poignée, c'est sobre, efficace. Juste derrière moi ici, vous avez machine à café intégrée, le four micro-ondes, le four, le réfrigérateur américain. Et aussi, c'est des petits détails pour certains, mais c'est très pratique. Vous avez des meubles incrustés pivotants qui permettent de récupérer tout ce qu'il y a au fond, que vous auriez beaucoup de mal à prendre sinon. Et encore une fois, tout ça est ouvert sur l'extérieur. Très important ici, tout est contrôlable sur ce panneau pour ce qui est des extérieurs. C'est une maison de nuit qui est juste fabuleuse. Vous pourrez gérer les éclairages pour la terrasse, pour la piscine, pour la cuisine, salle à manger et même le volet roulant pour la piscine. J'arrive ici depuis l'arrière-cuisine que vous avez aperçu tout à l'heure. On est dans un très grand salon et c'est uniquement le salon parce que vous avez vu la salle à manger tout à l'heure. 55 m² ici de pièces de surface habitable. Encore une fois, on a des spots partout au plafond. On a une cheminée à l'éthanol, donc c'est tout simple. Il y a juste à remplir et après vous profitez. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la taille des canapés ici, il y a vraiment de quoi recevoir tous vos amis ou toute votre famille. On est ici du coup sur la pièce préférée à mon goût, hein, cette très grande suite parentale avec deux immenses ouvertures sur l'extérieur. On a un sol en bois massif, en teck, sur toute la partie, avec juste derrière, salle d'eau, dressing privatif. Donc je vous disais qu'on a ici 1, 2, 3 dressings, une douche, les doubles éviers et les WC privatifs pour la suite parentale. On se retrouve ici dans l'entrée avec juste à côté de moi l'accès à l'étage, où on va retrouver aussi deux autres chambres. L'accès sous-sol qui représente la partie principale de la maison, donc on a un grand sous-sol encore avec du stockage et de quoi mettre facilement 2-3 véhicules l'un derrière l'autre. Un WC, une salle d'eau qui est vraiment sublime. Et on
on a aussi une deuxième chambre encore au rez-de-chaussée, donc en tout, trois chambres si on prend en compte la suite parentale. On se retrouve ici du coup à cet étage avec une première très belle chambre, beaucoup de rangement. Donc ici derrière la tête de lit on a des placards et sur ma gauche ici derrière la télé aussi pareil, de nombreux rangements. À ce niveau-là encore, des placards de rangement. Un WC et une salle d'eau. Nous avons ici une autre chambre. Alors avant, c'était aménagé en coin salon, un deuxième salon, un coin détente. Mais vous pouvez tout aussi en faire une autre chambre. Et la troisième chambre de l'étage, ce qui nous pousse du coup au total à 6 chambres dans cette habitation. J'espère que cette présentation vous a plu. Si vous souhaitez un peu plus de renseignements, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, pour finaliser cette vidéo et revoir les points principaux, on est aujourd'hui dans un environnement qui est plus qu'exceptionnel, très recherché, au calme, dans une partie boisée. Mais comme vous le voyez, toute la maison est éclairée et dans un bain de lumière. Très grande piscine, 6 chambres ou 5 en fonction de vos envies. Très grande terrasse, des pièces de vide plus de 50 mètres carrés. En tout cas, la maison, elle a vraiment tout pour vous plaire si vous recherchez quelque chose d'exceptionnel aux portes de Tours. Je vous dis à très bientôt.